10h25, voire L. Paris-Montparnasse est un peu cacanaméral. Des costards, cravates et des tailleurs bien coupés. Une cravate sur laquelle en ayant peur de louper. Ma voisine de rangée m'a bien vu arriver. Avec mon baiser, je veux pas la déranger. Ça sent tout l'écurie, voiture 4 places 24. Je suis mitraillé de partout par des pchits de santé. J'ai voyagé dans le désert. Par les bordures, ça soigne mon bobo. J'ai voyagé dans le désert. Et en 3 heures, sans un seul mot, j'ai fait par les bordures. Les portes sont enfin fermées sans crier gare. Une ménopausée me regardait l'air hagard. Elle a vu le monde plié en quatre sur ses cuisses, qui à l'époque aurait dû chambler la Suisse. J'ai plongé tout entier dans les inroccutibles pour oublier mes voisins à l'œil impassible. Je me suis endormi au milieu d'un article sur le renouveau de la scène électro dans l'océan Pacifique. J'ai bien fait de prendre ma dose de quelques cachets de phytose. Je voyageais en désert. Ça soigne mon bobo. Et j'ai voyagé dans les déserts. Et en 3 heures, sans un seul mot, j'ai fait par passe-partout. À quelque chose moins clair, au milieu de nulle part, une centrale nucléaire dans une plaine céréalière. Leur moustache débarque dans un sourire, mais on voit que ses cernes veulent dire que c'est pire. Acclimatation à la crise, nouveau mode de fonctionnement de l'entreprise. Se lever, pour croiser, une jolie brune de profil, juste un instant contraire, devant la France qui défile. J'ai bien fait de prendre ma dose de quelques cachets de phytose. J'ai bien fait de prendre ma dose de quelques cachets de phytose. Et j'ai voyagé en Isère. Par les bordures, ça sonne mon bobo. Et j'ai voyagé en Isère. Et en 3 heures, sans un seul mot, j'ai fait par les bordures. À l'arrivée, ça continue. Ils sont tous beaux et détendus. Chemise Kenzo, poitrine tendue. C'est bon de vivre en bordure.